Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une première polo sur la chaîne et en plus de ça, ça marque le coup parce que c'est la GTI. J'ai le frérot, il est à côté de moi, il va nous la présenter. Salut. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Voilà, comme j'ai dit, là, bah, grand plaisir, hein, c'est tout le plaisir est pour moi. La première de la chaîne en plus en GTI. C'est ça. Ça fait plaisir et du coup, bah, c'est quoi comme motorisation Eh bah, c'est un 1,4 litre. Ouais. De base 180 chevaux. D'accord. Et donc du coup elle sort un peu plus que d'origine. Ouais. Du coup bah, de base bah, ça fait 188 chevaux. Ouais, j'ai fait passer au banc. Ça doit bien marcher. Ouais, donc du coup c'est déjà pas mal. Et là je l'ai fait passer à l'éthanol. Ouais. Donc du coup juste le passage à l'éthanol, du coup elle sort 192 chevaux. Ah, ça doit bien envoyer. Donc ouais c'est plutôt pas mal. Bah, écoute, on va aller voir direct la face avant. Donc comme Allez. On peut voir, elle a un rouge qui est d'origine, il est magnifique. Voilà, qui sont très rares comme ça dans cette configuration. Donc tu as la petite calandre en nid d'abeille d'origine GTI. C'est toi qui as posé le logo en noir ou... Ça, c'est moi qui l'ai repeint. Tu l'as repeint. Du coup, je l'ai mis en noir et puis j'ai mis des paillettes dorées dessus. Ouais, et t'as bien fait. Ça fait un petit détail manière. Ça rend super bien. Donc, comme on peut voir ici, le logo GTI. En rouge, pareil, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Donc, c'est quel modèle celui-là, 9N3, c'est ça? C'est le 6R. 6R, ah oui. Ouais. Bah, voilà, moi, c'est du coup, c'était le 9N2. Ok. Je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, les abonnés, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, parce que moi j'avais la version juste avant en 9N, mais j'avais pas les feux ronds, j'avais le phare entier. Parce que sinon t'as 6N aussi. Et ben, non, 6N, mais après, ouais, je connais pas non plus ouf. Mais... Donc là, les jantes d'origine GTI en 17 pouces. C'est ça, en 17. Super belle, franchement, avec les étriers rouges. Ouais, avec bah, du coup, ce que j'ai fait, j'ai changé les disques et les plaquettes. Ouais. J'ai mis du disque ventilé percé. Ouais, ouais. Voilà. En Brembo X, donc du coup ouais, c'est un freinage beaucoup. C'est le meilleur freinage. Après c'est sûr il y a mieux, mais ouais, c'est du traction, ouais, traction, tout ouais. À fait. Ah, ça doit bien marcher. Voilà. Donc le freinage il est nickel. Alors. Ouais, c'est carrément bien. Ouais. Alors je vois là en 3/4, tu l'as rabaissé ou? Ouais, c'est des ressorts courts en Koni Sport. Ouais. Et ça fait le taf quand même, ouais, c'est pas mal. Ouais, t'as une meilleure stabilité en carrément. Plus, ça, mais par contre, du coup, quand on passe sur les dodanes ou des routes un peu abîmées, bah. Ça se coud dans tous les sens dans ouais, la voiture, sûr, c'est ouais. Moins ouf. Après, ouais. Franchement, elle a un beau look. Ouais. Donc, on peut voir les vitres teintées, le toit ouvrant. Pareil, ça, elles sont pas toutes le toit ouvrant, il me semble. Non, pas toutes. Donc là, c'est ton petit Instagram. Tout à fait. Donc, c'est Guigui-GTI. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et donner de la force, comme d'habitude. Hein. Donc, voilà. L'arrière rabaissé également. Tout à fait. Donc là, on peut voir magnifique feu. Ouais. Voilà, le logo pareil à l'arrière, bah du coup c'est moi qui l'ai repeint. Ouais. Pareil. Stylé, ouais, tout en noir. Ouais. Et tu l'as. Il y avait du chrome sur le contour des fenêtres ou pas non. Du tout? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, ouais. Il n'y en avait pas. Ah, franchement, elle rend c'est super bien là, la caméra, magnifique. Ouais, on voit les deux petits embouts à l'arrière. T'as ouais. Mis une ligne ou c'est. Et bah du coup, ouais, je suis décata, j'ai plus le silencieux intermédiaire et il me reste plus que le silencieux à l'arrière que j'ai vidé. D'accord. Petit diffuseur d'origine. Ouais, d'origine. Du coup, bah, en roulant normal, elle fait pas trop de bruit. Ouais. Et en appuyant dessus, bah, ça sort beaucoup plus de son. D'accord. Donc, c'est plutôt pas vachement mal. Vachement propre. Hein. Ouais. Franchement, une belle ligne. Hein. Elles existent en 5 portes, les GTI? Ouais, elles existent, ouais. Voilà. C'est comme je disais au frérot avant que la vidéo elle commence, moi je suis beaucoup plus 5 portes, voilà, parce que j'ai un enfant. Et voilà, après, je trouve que c'est plus pratique. Mais c'est vrai, quand t'es tout seul, comme lui, t'as pas d'enfant. Hein. Non. Il n'a pas d'enfant encore et du coup bah, c'est vrai que voilà, 3 portes c'est très bien et en plus de ça bah, ça donne vraiment un côté plus sportif à la voiture. C'est nickel, bah écoute je veux bien voir le moteur mon frérot. Allez, bah, je vais te montrer. Le 1,4 litre, hein, c'est ça C'est hein ça, 1,4 litre, ouais. Turbo. C'est
C'est un turbocompresseur. Et là, si on. Ah, une turbocompresseur. Ouais, c'est ça. Là, si tu fais une carto, tu montes, tu passes de. Enfin, tu gagnes combien de chevaux facile? Je pourrais monter à 210, 200, ah, ouais, 210, 220. Je peux j'aurais dû au moins 50 chevaux, non? Non, non, pas trop. Ah ouais? Ouais. Donc voilà le petit moteur. Voilà. Et petite modif là, j'ai mis du rouge. Ouais. Pour de la nervosité. Jolie, ouais, voilà. T'as pas voulu mettre un kit d'admission? Non, j'ai pas mis, j'ai juste mis un filtre air sport. Voilà, quoi. Pour mieux respirer comme d'habitude. Après, je verrai peut-être par la suite. Ouais, par la suite, tu verras, mais en tout cas, c'est un bon moteur. Il y a de la place comme d'hab pour bricoler. Bah, carrément, la batterie, bah, du coup, elle est dans le coffre. Ouais. Elle se situe dans le coffre. C'est un peu chiant, hein. C'est comme en dans soi, non, parce qu'en soi, là, j'ai le plus qui est là. Et c'est après, toi qui l'as enlevé? Non, non, c'est d'origine, ah, comme c'est ça, d'origine, ouais. Ouais, c'est d'origine. Ouais. Ah, bah nickel. Donc, bah. Ça va bien, ça change, et puis du coup, bah, si tu veux mettre une grosse admission d'air, ah bah là, au moins elle passe tranquille. Ouais. Là, t'as le démarreur, il est juste là pour le c'est changer. Ça, tout à fait. Franchement, c'est cool. Franchement, même pour un mécanique, tu fais, c'est super simple à faire. Là. Ouais, tu la bricoles beaucoup. En soi, non, bah là, toi, j'ai la vidange à faire. Ouais. Je vais faire la vidange. Ouais, les trucs basiques, quoi. Tu fais tranquille ou vidange, je dis les plaquettes, c'est facile à faire. Ouais, ouais. Après, c'est des bons moteurs. Oui, c'est voilà. Volkswagen, groupe vague. Mais on me disait, ouais, le 1 litre 4, il n'est pas bien fiable, mais en soi. Après, s'il est bien entretenu, c'est toujours pareil. Ouais. Hein. Je veux bien voir le coffre, mon frère. Alors, comme ça, on peut bien voir. Voilà. C'est quoi? C'est un boom d'air? C'est une enceinte, ouais. Tu... Après, elle n'est pas branchée. Elle est pas branchée dedans. Dans la voiture ou c'est... Je la sors comme ça. Ah, d'accord. Ah, mais c'est toi qui mettais la sono à fond, alors, dans le rasso. Parce qu'à un moment, j'ai dit. Où ça? La vidéo de Follow Night Shift. Non, je l'ai pas mis là-bas. Ouais. Non. Tu l'as vu cette vidéo ou pas? Je sais même plus si je l'ai vu. Parce qu'il y avait un gars avec un truc JBL, j'ai dit ah faut qu'il coupe le son. Ah non, c'est pas toi. Non, non, c'est pas moi. En tout cas, bah il y a de la place après. Ouais. Non, mais c'est un peu. Ah, un petit guetteur, hein, comme d'hab. À chaque fois, il faut, c'est la base. Ah, les guetteurs. Hein. Ah, je vais voir l'intérieur, je me permets. Donc magnifique intérieur GTI, hein, les sièges tissus là, avec le traçage d'Herbery, comme on dit. Non. C'est le Recaro. Ouais, Recaro, ouais. Ouais. Ah, les GTI, c'est souvent ça, j'aime trop là, les ouais, dessins. Bah, ça fait penser à la marque Burberry. D'accord. Le petit volant Mepla GTI. Ouais. Franchement, vraiment pas. Attends, j'ai pas les commandes au volant par contre. Ah ouais, merde, ah ouais. Bon, après, c'est un détail. Hein. C'est un détail. J'ai envie de te dire, c'est un coup, tu les aurais eu et tu les aurais même pas utilisés. Parce que souvent, ouais, ça dépend des fois aussi. Genre, juste pour le son. Plus, moins, ouais, ouais, si ouais. T'as le Bluetooth. Parce que j'ai pas le Bluetooth là. Ah, t'as pas le Bluetooth? Non. J'ai pas le Bluetooth. Et comment ça se fait? Y a pas l'option dessus, donc du coup j'ai rajouté un petit boîtier. Il faut l'installer à la valise, il faut passer me voir. Ah bah après, valise, je sais pas ouais, comment faut faire après, mais tu veux qu'on essayera après? Ouais. Je prends pas cher. Les gars, vous avez vu, à chaque fois qu'un abonné a une voiture Volkswagen, Audi, Seat, je suis toujours en train de me faire un business. Bah, je l'assume, bah, c'est mon travail. Hein. On va s'arranger. Non, je t'expliquerai après. En gros, j'ai la valise, on peut rajouter des options. Mais en gros, si je peux pas rajouter le Bluetooth, c'est que t'as pas le module dans la voiture. Bah, normalement, je dois pas l'avoir, je pense pas. Bah, on regardera. Ouais. Tac. Hop, je me permets. Vas-y. Non, franchement, bien. Bonne petite voiture. Hein. Toi, t'as pas de gosse en plus, tu me dis. Donc, tranquille. T'as une copine? Non, célibataire. Ah, bah, célibataire, elle a de la place. Tu peux la garder longtemps. Ça, ouais, voilà, c'est ça. Bah, toi, j'ai l'embrayage à changer aussi. Ouais. Donc là, j'attends de pouvoir le faire. Ouais. Et puis après, bah, tout va bien aller. Après. Bah, bien sûr. C'est ce qu'il faut. Bah, écoute, mon frérot, on va aller faire un essai routier. Ouais. Et puis, on se retrouve sur la route. C'est parti. À toutes. Bon bah les gars, on se retrouve dans la magnifique Polo, donc je suis avec Guillaume qui est au volant. C'est ça. Ça va toujours mon frérot? Toujours nickel. Il fait chaud hein? Ouais, carrément. Non, en ce moment les gars, ça arrête pas. C'est amusé. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Ça consomme ou pas cette petite Polo? Ça consomme un peu, ouais. Ouais. Je monte à 14 litres à peu près. D'accord, ouais. Mais ça reste raisonnable. Ouais, après ça va. Bah, il y a des moments, comment ça s'appelle, quand je fais des balades ou quoi, le plein il me fait une journée. D'accord, ouais. Donc ouais, c'est... Ça consomme quand même. Et niveau après, entretien, c'est fiable. Entretien, ouais, c'est super simple à faire. Ouais, t'as rien fait de spécial toi depuis que tu l'as? Non. Mis à part un displaquette, tu m'as montré. Displaquette, les suspensions, filtre air sport et voilà. D'accord. Ouais, nickel. Ça reste une très bonne voiture. Hein. Ouais. Et ça a l'air de bien marcher vu que c'est léger. Hein. Bah carrément, bah je faisais des runs contre des voitures qui étaient reprogrammées. Bah des fois j'étais devant eux. Ah ouais. Après eux, c'était. Ils avaient. Il y en avait un, il avait une Golf 7. Elle était reprogrammée apparemment. Ouais. Tu l'as mangé. J'étais devant lui. Après, moi le gars, je dis. Rapport poids puissance aussi. Même pas, la puissance ne fait pas le pilote. Hein. Ouais. Attention, hein. Tu peux très bien avoir 600 chevaux et si tu ne sais pas rouler. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Moi frérot, des fois avec ma Clio 1, je chasse des gros bolides en ville. Ouais. Vous savez pas rouler, il y en a. Il y a des moments,
sûrement, ouais, il y en a. Après, je dis pas que je suis un pilote, mais ouais, je me débrouille, on se débrouille, ouais. Hein, on fait comme on peut. Là, on ira à droite, frérot. En tout cas, on est bien dedans. Hein. Ouais, franchement, pour clair. Une 3 portes, il y a de la place quand même. T'as la clim et tout, t'as les sièges chauffants, non? Non, par contre, ça, j'ai pas. Ouais, ouais après, là, de toute façon, c'est l'été. Hein. Mais ouais. C'est vrai qu'on est bien, t'as le toit ouvrant, la trappe. Carrément, c'est super bien comme ça. T'as un petit pack LED? Non, j'ai pas ça. C'est pas le pack LED. J'ai pas de LED. Et après, elle est bien. Après, ouais, ça va, elle est bien. J'ai un petit compteur comme ça, là. Ouais. Et là, on ira à gauche. À gauche? Ouais, ici, là. Ah, tout de suite, là? Ouais, Eurexpo Visiteur. Et si tu veux te faire un plaisir. Ouais. Ça marche hein. C'est plutôt pas mal. Ah ça. Ah ouais. Franchement il y a un feu je crois. Ouais. Ah ouais ça pousse hein. Nerveuse hein, tout droit. Ouais. Il y a deux voies après tu peux le doubler si tu veux. Pied lourd, hein! Petit jeune là de 27 ans, 27 c'est ans, ça, t'as ouais! C'est ça, 27 et t'as, elle, pied lourd, mais elle marche bien, hein, franchement. Là. Et le bruit, il est pas casse-tête ni casserole. Non, il est bien. Casserole. Ouais. Bah, le bruit, maintenant que je l'ai passé à l'éthanol, ouais. Et bah, le son, il est plus rauque, il est plus joli. Ah, il est joli le bruit, ouais. Quand même. Avant, ça faisait pas pareil. Vas-y, tout droit. T'as le patching pas, hein, et les rapports. Ça met au feu, on ira à gauche. Putain, ça tire hein. Ça marche. Ça marche à gauche. Là, tu freines tard hein. Bah après ouais, je sais que ouais. Fais gaffe, il y a un terre. Ah putain, on est fermé là-bas. Ah ouais. Bah tu me feras écouter le bruit là et... Ouais. Attends, putain, il y a toujours des gens là où on ça, va. C'est chiant. Refais demi-tour. Ah, ouais. Ouais, parce que avant toi t'avais fait ici. Putain les gars, ça marche, il est parti comme une balle le frérot. Alors franchement, chapeau. Et elle a pas plus patiné que ça, franchement, elle est bien réglée la voiture. Bon, on va attendre le frérot là, putain, je crois que je me suis assis sur des pics là. Je me suis éclaté le boule. Bon, on attend le frérot, il arrive. Vas-y, c'est parti. Putain, ça marche, les gars. Elle marche bien. Ça, faut l'emmener sur circuit. Ça, tu les niques tous. Bien, ouais. Ça serait bien. Après, moi, si je dois faire du circuit, boîte auto, je vais galérer, je pense. Ouais. Tu sais, dans un circuit, j'aimerais bien en manuel. Ouais, t'es tu. Ouais, ça change. Après la DSG elle est réputée DSG, pour être bien. Elle est bien, mais en DSG, t'as pas de. En boîte auto, t'as pas de frein moteur. Ouais aussi. C'est ouais. Ça qui est chiant. Mais bon, on va les laisser refroidir. C'est ça. Ça tremble pas, c'est bien. On ira à gauche. On feu à gauche. Voilà, comme ça on va bientôt faire la fin de la vidéo. Mais en
tout cas, j'étais ravi de faire ce bel essai. Bah franchement, ouais. Puis belle journée. C'était ta première voiture. C'est la première de la chaîne, GTI, donc t'as l'honneur de d'être passé sur la chaîne déjà, vu que t'es jamais passé à la cam, et d'avoir présenté ta première, enfin la première Polo. Donc ça fait vraiment plaisir. Hein. Bah écoute mon frérot, je te laisse redonner tes petits réseaux sociaux. Ouais, et bah moi c'est Guigui-GTI. Et sinon mon vrai nom c'est Passion Auto 69. Voilà, donc voilà. Les gars, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez des questions, lui donner de la force. Voilà, parce que vous êtes beaucoup des fois à me poser des questions à moi, mais vous voyez que je donne les Instagram des autres, donc allez les voir à eux. Moi j'ai grosso déjà beaucoup c'est de messages. Plus simple. C'est quand même plus simple. Faites chier, vous faites vraiment chier. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez présenter votre voiture. Comme d'habitude, le transporteur 69 sur Instagram. On ira tout droit, frérot. N'hésitez pas à mettre un pouce, voilà, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao. Salut. Ciao.